Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez et activez la cloche. Vous savez, si on se borne ici, nous apprenons beaucoup de choses. La première chose que nous avons apprise même récemment, c'est qu'il ne faut pas chercher le mari des gens, ni la femme des gens. Faites attention. Deuxième élément, il ne faut jamais s'appuyer sur des démons, du genre des gens qui vont faire confiance aux démons et ils essaient de marcher sur l'eau, ou bien ils vont prendre des packs de protection pour faire des trucs pareils. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre qu'il ne faut jamais voler ni mentir. Ah, que se passe-t-il encore? Dans une famille, il y a eu un vol. On cherche à attraper le voleur. On demande aux uns aux autres. Qui a volé? Personne ne répond. Qui a volé? Personne ne parle. Ah, finalement, ils vont envoyer une femme qui a des super pouvoirs pour essayer d'attraper le voleur parmi toutes les personnes qui se trouvent dans la maison. Et finalement, ça va tomber sur une femme. Quoi? Que va-t-il se passer? Nous allons tout voir ici. Mais le truc étrange, c'est même bizarre dans ça, c'est que cette femme, elle a un truc comme un balai et elle prend le balai là. Elle passe sur votre cou comme ça. Et vous devez prononcer des paroles. Vous devez dire par exemple, si c'est moi qui ai volé ici, que le balai serre mon cou. Là, vous-même vous parlez et si vous montez mystérieusement par là, c'est-à-dire bizarrement par là, le balai va vous serrer la gorge. Comment c'est possible? Si on ne vous a pas montré ça, vous pensez que c'est de la blague. Regardez ici, l'image est là. Regardez, ça vous attend. Est-ce que vous êtes abonné? Voilà, la fin de cette vidéo pour vous abonner. De toute façon, tout entre vous-même et c'est vous qui décidez. Suivez-nous. Un truc hors du commun va se passer ici. Et ce que nous allons voir, vous allez vraiment être surpris par ça. Regardez même ça. Regardez bien ici. Nous ne sommes pas en train de vous raconter des histoires. Comme vous le voyez, il y a vraiment un truc qui se passe. Et cette femme ici est dans les problèmes. Elle est dans les problèmes. Elle a volé. Au lieu de se confesser très tôt, elle a décidé de garder le secret. Et finalement, au grand jour, elle sera humiliée par un palais mystique. Franchement, c'est un truc hors du commun. Nous allons vous montrer ce qui s'est réellement passé et vous serez vraiment surpris. Regardez ça. Comme vous le voyez, c'est pas de la blague, c'est bien réel. Là, on demande, lui demande, on dit, mais on dit, il y a eu vol ici. Est-ce que c'est toi? Elle dit non. On dit, ok, si ce n'est pas toi, il faut dire ceci. Si c'est moi qui ai pris le palais pour cacher, que le palais, si c'est moi qui ai volé quelque chose ici pour cacher, que le palais me serre le cou. Et elle parle avec confiance, avec, je sais pas, elle donne pas l'impression que c'est elle-même qui a commis le crime. Souvent même, ça se passe comme ça. Hein. Bon, ok, écoutons ça. Écoutons ce que, regardez ce qui va se passer. Hein. Et écoutez bien ça. Elle dit que si c'est elle qui a volé ou encore qui a pris la chose pour cacher, que cette chose qui se tient dans la main de cette femme lui sert le coup. Là, c'est elle-même qui a parlé. Là, c'est elle-même qui a parlé. Ce n'est pas nous. Ah, chacun passe à son tour et pour essayer de voir ce qui se passe. Et le résultat va être ici. Regardez très bien. Ouh, ça a serré son cou. C'est toi qui as pris. Maintenant, ça a serré son cou. Elle a été dépalée. On dit, ah, c'est toi qui as pris. Tu as pris. Elle dit, oui. Tu as pris pour cacher. Tu as caché où? C'est dans la maison. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que c'est toi qui as pris? Pourquoi tu ne peux pas parler? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Les menteurs, Dieu va dévoiler les gens cette année. Nous sommes en 2020. Ha, 2021, mais c'est encore plus grave. Mais regardez vous-même, de A à Z. C'est parti. Regardez très bien. Mais c'est toi qui as pris. On répond encore, regardez très bien.
Mais c'est toi qui as pris. Non. Après les avoir accusé le diable et les sorciers. Tu as volé, ce n'est pas une bonne affaire. Ah, ils sont demandés aux gens, est-ce que c'est toi qui as volé? Tu dis non. Et regardez comment par affaire pour vivre, même avec conscience, c'est-à-dire. Et elle parle avec confiance, comme si... Oh, c'était là. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent devant les gens ou qui mentent aux gens, mais ils oublient que Dieu les voit. Tu as passé ton temps à mentir aux gens, mais Dieu, ce n'est pas ton ami. Si tu as l'habitude de mentir aux gens, c'est bien pour toi. Mais un jour, là, ça va sortir. Parce que rien n'est caché sous le soleil. Sous le soleil ici, rien n'est caché. Tout ce que vous faites en secret va finir par sortir un jour, d'une manière ou d'une autre. Faites attention en même temps, faites attention. Commencez à vous repentir, abandonnez vos mauvaises voies et revenez à Dieu, revenez sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi, est-ce que vous pensez que ces personnes ont bien fait d'utiliser un balai mystique pour pouvoir attraper le voleur? Ça, c'est une autre affaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le vol, ce n'est pas une bonne affaire. Il faut se confesser. Il y a beaucoup de personnes qui volent et des gens pensent que c'est de la blague. Par exemple, en entreprise, là, tu sais ce qui se passe là-bas. Quand le patron n'est pas là, tu vois si c'est la boisson. On boit comme si c'est pas la, comme si c'est nous on l'a acheté. Même souvent dans le pays, les gens qui sont au pouvoir ou bien qui occupent un tel poste, ils passent le temps à voler, ils volent. Le peuple souffre, hein, mais eux ils volent. Vous les voyez, ils grossissent comme ça avec leur gros ventre. Oui, mais ils pensent qu'on doit mettre le balai là sur eux. Qu'en pensez-vous? On doit même envoyer le balai sur eux. Les gens souffrent, même on va casser leur maison encore. Et vous ne pouvez même pas lever le petit doigt pour dire, franchement, je vais prendre en compte 20 personnes qui ont vu leur maison être détruite et les reloger. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans ce monde. On a besoin de vraiment intervenir. Commençons déjà par ne plus voler. Dites au président là, dites au président, au ministre, gens qui gèrent le pays, là. Arrêtez de voler, ça suffit. Sinon, on va venir avec le balai là-bas. On va tous vous attraper. Ou bien, mais je pense qu'on doit faire ça. Si vous êtes d'accord avec moi, réagissez dans la partie commentaire, dites-moi. Oui, on est d'accord, on va faire le test. Et si vous avez apprécié la vidéo, cliquez tout sur j'aime, partagez-la au maximum et invitez vos frères et sœurs à nous dire ce que ça veut dire, bon, ce qu'ils en pensent. Vous venez avec la vidéo, venez regarder ce qui vient de se passer ici. Il y a eu vol, la femme est là, on lui demande est-ce que c'est toi, elle ne veut rien dire. Et regardez ce qui s'est passé, qu'en pensez-vous? Voilà, aujourd'hui c'était samedi, commencez avec cette vidéo-là, appelez vos amis et puis on va en discuter. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go.